C'était super, on a fait plein de trucs, on est un peu fatigué, mais on s'est bien amusé, tout en apprenant. Hello. So the oceans are a really important factor in our climate system, and that's very important to know. So that's why we started to tour the tour to make aware of that. And the oceans are really suffering a lot from that. On the one hand, they become warmer and warmer, and they become more acidic as well. They've already become more acidic by 30%, and that's it's very dramatic, especially for organisms that are calcifying. So for example, clams and phytoplankton that build up shells made of calcium, they can basically not exist anymore. They dissolve, yeah. And that means that they vanish. They simply vanish, and they are the basis of food chains in the ocean, and that's quite dramatic as well. And what's very important to know is that, like, everybody's talking about the two degrees target. You probably know that's what they're talking about in the climate change conference at the moment. But what we do not take into account is that with a warming of 2 degrees, all warm water corals will die. And also that, for example, islands can survive as well. We don't have that much money yet, so we have to rely on volunteers that participate in our project. And all the volunteers have to be scientists? No, you don't necessarily have to have a scientific background. We had journalists on our ship, we had students, there were some, they were 16, just interested in our project, joining us and helping us out. Like, everybody who's interested in helping us can join us, yeah, even if you just, like, help making breakfast, for example, or you can I stay here help now? To tidy up. Can I stay here with yeah, you? Of course, yeah. If you want. Or maybe here. Interested in joining us. Tu peux rester avec eux parce qu'ils cherchent quelqu'un. Bah oui. Bah oui, tu restes avec eux. Hein. Ouais, pour faire la vaisselle, pour faire la vaisselle et nettoyer le bateau là. Hein? Une pirogue là pour un avec la rame. Non. Tu vas fabriquer du CO2. Oui. Vas-y, montre-nous. Tu fais quoi? Ouais.
tu peux utiliser ta main, faire une sorte d'entonnoir. Voilà, hop, vite, ferme. Vous vissez. Parce qu'en coupant le bois, faut planter un arbre. C'est ça en fait, ce qui est bien, c'est si tu coupes du bois, tu peux replanter un arbre. Comme ça, il y a encore du bois qui repousse derrière. Mais après, mais ce qui est pas bien sur ça, c'est qu'eux ils replantent, après ils mettent du produit chimique dedans, ça pousse plus vite. Les produits chimiques qu'ils mettent dedans, et ben ça a des conséquences sur le réchauffement climatique. Du coup, c'est pas bien. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis partie des petits débrouillards Poitou-Charentes. Ça s'appelle la colonie des plantes. Et le but du jeu, ça va être de coloniser son territoire. Pour qu'une plante puisse pousser, ça sera votre plante. Vous allez avoir besoin de quoi? Avant qu'il y ait une plante, il y a quoi? De l'eau. De la terre? Il faut de la terre. De l'eau, des graines. Des graines. Des nutriments dans le sol. Des nutriments dans le sol, et il faut aussi... Le soleil. Le soleil. Et une dernière chose hyper importante, il faut qu'elle puisse respirer. De l'oxygène et de CO2. C'est ça. Du coup, vous avez des petites graines qui sont dans vos pots. Là, on a juste là. Et donc, il va falloir prendre une graine et la disposer sur votre territoire, n'importe où. Et donc, dans le jeu, c'est un peu compliqué qu'on ait tous ces paramètres-là. Donc, pour savoir si une plante va pousser ou pas, il va falloir vous piocher une carte. Vous pouvez la retourner. Et du coup, t'as quoi toi comme carte? Alors, j'ai luck, j'ai ta graine a atterri dans de l'herbe, les conditions pour pousser sont idéales. Ok, donc elle est parfaite, elle est tombée au bon endroit, donc, elle va pouvoir pousser. Ok, donc toi t'as eu pas de chance, pas assez de lumière, forêt douce. Et toi? Moi j'ai ta graine est tombée sur un site de construction immobilière, elle ne peut pas pousser. Ok, donc il lui manque quoi la graine en fait là? Elle va repousser. Si c'est une construction immobilière. De la terre? De la terre surtout, ouais. Du coup là c'est pour aussi expliquer et présenter que l'aménagement du territoire par les activités humaines réduit aussi la place des végétaux en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on veut essayer d'en mettre, parce que c'est hyper important du coup, parce que comme je disais tout à l'heure, en lien avec l'oxygène et du coup et avec le CO2. Beaucoup de visages. Ça fait vraiment très très plaisir de vous revoir ici pour cette occasion importante de votre participation à la COP21. C'est une occasion évidemment pour vous de valoriser le projet vraiment original que nous avons construit ensemble, l'idée de formuler des recommandations à faire porter au plus haut niveau politique. C'est vrai que ces recommandations, elles ont déjà beaucoup circulé, puisque l'OFAGE les a transmis à beaucoup de décideurs à Paris, à Berlin, au Maroc, mais aussi à Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez su que le président de la République française nous a répondu. Bonne félicité, tout le monde l'a su, moi je vois que c'est bien. Salut mes amis, nous sommes maintenant au OFAGE et pour présenter notre expérience. Ouais. J'ai participé à un projet qui était à Hambourg, qui m'a permis d'être là aujourd'hui. J'ai aimé de participer à la COP21 et j'espère que je vais reparticiper à la COP22. Est-ce que les politiciens peuvent changer le climat? Moi, de mon côté, j'avais dit que je n'étais pas trop d'accord pour ça. Parce que s'ils pouvaient changer le climat, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'aimerais remercier l'OFAGE de nous avoir invités aujourd'hui. C'est une chance que je n'avais pas avant de participer à des grands événements comme la COP21. Je vous remercie.
Ah ouais, et c'était trop chaud. Je prends la parole juste pour vous remercier parce que vous insistez beaucoup sur la participation des jeunes qui ont moins d'opportunités, la minorité. Et moi, j'essaye dans mon travail d'envoyer ces jeunes vers cette direction, un petit peu vers les thèmes, comme disait Nizam. On a fait exprès aussi de le faire témoigner. Moi, je l'ai proposé de témoigner parce que c'est quelqu'un qui... il est français, de l'île de Mayotte, qui est un département un peu excentré, qui est arrivé en France il y a 2 ans, et qui est curieux d'apprendre plein de choses. Et il ne connaît pas le climat, il l'a dit tout à l'heure, c'est le climat, c'est pas des sujets qui intéressent les jeunes, je dirais, parce que ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec les jeunes des quartiers, c'est pas quelque chose qui les intéresse, il faut les emmener. On a participé à un atelier, on est allé à plusieurs endroits et on compte aller pour la première fois au Bourget, là où il y a la COP21, où il y a les politiciens et tout. Et après le déjeuner, donc, on va y aller et j'espère que ça va bien se passer. Herzlich willkommen beim COP21. You wrote, speaking of oil, Petroleum has of late is kindly co-hosting this event here with us today. Qu'est-ce que tu fais, Marwan? En fait, j'ai téléchargé plein de documents offerts par le ministère de l'écologie. Et voilà, ils te proposent plein de documents, à savoir changement climatique, impact visible en France, qu'est-ce que les GIEC, comprendre la COP21. Bon, j'ai téléchargé ça. Et puis, j'ai téléchargé des véhicules plus propres. Et tu les recevras direct sur ton email? Oui, apparemment, selon la fille là-bas, je vais les recevoir d'ici 30 secondes. Ce qui m'a surtout plu dans cette rencontre, c'est surtout qu'on avait accès à d'autres points de vue, surtout dans la ZAC et dans l'Alternativa. Et pour moi, c'était très très intéressant. Et de ne pas être seulement dans ce cadre officiel et tout ça, c'était très très important. Ce qui était très intéressant aussi, c'est de se confronter à des gens qui sont aussi très... qui ne sont pas d'accord. Très militants. C'est vrai, il y a des gens extrêmement engagés et dans le sens où... nous, on est engagés à notre niveau de jeunes, et de voir qu'il y a peut-être des jeunes qui sont engagés encore plus, sans forcément aller dans l'extrême et aller tout casser. De voir qu'il faut arrêter de dire que les jeunes ils font rien et qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ces thématiques-là. C'est de moins en moins vrai. Est-ce que les négociations vont être juste des décisions de politiciens ou est-ce que vraiment le message des jeunes, village alternatif, sans actes et tout, est arrivé là-bas où c'est juste les politiciens qui vont prendre la décision? Ils ont du pouvoir. Non, normalement, ils vont rassembler et compiler toutes les propositions. C'est aussi un danger parce qu'à force de vouloir tout faire tout le monde, du coup, le vrai rapport, c'est 40 000 pages. En fait, chaque proposition, il y a la partie proposition explicitée, il y a comment faire, il y a les coûts et les inconvénients, il y a les actions juridiques à mettre pour les contrats. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, en fait, techniquement, c'est incompréhensible, c'est très difficile. Mais tu prends n'importe quelle mesure, par exemple, si je dis par exemple, pas de gaspillage, machin, etc. Comment tu fais? Il faut voir les restaurateurs ne jettent pas leurs trucs, donc comment tu prends les contrats et qu'est-ce qui risque en fait? En fait, c'était ça, le but de l'accord, c'est qu'il faut aussi. Il faut qu'il soit contraignant. Et c'est sur ce point-là qu'était le plus compliqué des négociations.
dans le sens où il y a certains pays qui ne veulent pas être contraints, comme les États-Unis par exemple, alors que la Chine accepte d'avoir des sanctions en cas de non-respect. Et du coup, c'est sur ce point-là principalement que c'est compliqué et que c'est dur de faire signer tout le monde, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que ça soit contraignant. J'ai constaté que on parle trop. On parle beaucoup, mais on ne réagit pas, en fait. Bon, il a eu cette réflexion suite au film qu'on a vu ce matin et la question que Safwan avait posée. C'est quoi l'action ou la réaction de... Qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, est-ce que sur le quotidien de chacun, est-ce que chacun est conscient de... Est-ce que chacun a le réflexe de sortir d'une pièce et voir qu'il y a une lumière qui ne sert à rien de l'éteindre? Est-ce que chacun a le réflexe de dire chez moi, à partir de choses que j'ai connues cette semaine, je me constitue un compost et je fais la guerre au sac plastique? Et en fait, je pense que l'avantage d'être venu ici aussi, c'était de vous avoir montré la ZAC, de vous avoir montré Montreuil et le Bourget, c'était aussi pour vous montrer qu'il y a des solutions, peut-être des solutions que vous avez pas au Maroc ou que vous avez pas en Allemagne, et que vous pouvez exporter, et que, enfin voilà, pour prendre encore plus conscience des choses et de l'urgence à agir. Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, pour nos amis marocains et allemands, quand vous allez retourner au Maroc ou en Allemagne, qu'est-ce que vous allez faire comme action, rassembler des jeunes pour leur dire ce qu'il faut faire. Dès que je vais rentrer chez moi, je vais parler à mes petits frères, parce que j'ai un frère, lui il aime trop être sur la douche. Ouais, je vais lui dire il a 10 minutes pour se doucher. Je vais faire des petits éco-gestes, rassembler des jeunes du quartier, leur expliquer ce qu'il faut faire, ouais, ce qu'on a fait. Et puis à la fin, j'aimerais bien qu'on garde ce groupe-là, parce que... Oui, parce qu'il est très, très diversifié et puis on a plein d'idées, plein de projets d'avenir. De l'opage. Ouais. Guten Tag, ich bin Caroline. Guten Tag, ich bin Bruno. Ich bin Sad. Salut Mona, tu as bien dormi? Si j'ai bien dormi, très bien, ouais. Tu t'appelles comment? France, bonjour. Ah, salut. Salut Léna, bien dormi? Bien. Anne-Sophie Sony, la coupe 21. Ce qu'on peut aussi faire éventuellement, c'est que vous pouvez le contexte.